dernier. Bien joué. Et yo les petits potes, comme vous le savez peut-être, la DG58LSW a été patch mardi soir dans un patch qu'on pourrait qualifier relativement de secret. Et du coup, elle est plus méta, malgré le premier buff où elle était encore, le premier nerf où elle était encore méta. Là, suite au deuxième nerf, vraiment, elle est plus l'arme de longue portée la plus efficace. Elle est détrônée officiellement par la Holger 26. La Holger 26, qui est une mitrailleuse, on l'a trouvée dans la catégorie mitrailleuse, donc une mitrailleuse de MW3. Et voici le setup que j'ai utilisé personnellement. J'ai mis une poignée, donc la poignée lourde de soutien Bruen pour tout ce qui est contrôle du recul horizontal et général. J'ai mis un canon d'usine Holger également pour le contrôle du recul, mais aussi pour la portée des dégâts et la vitesse des balles. J'ai mis un silencieux pour un gain de vitesse des balles. Mais vous pouvez aussi choisir de mettre les munitions à grain élevé si vous souhaitez. Mais ça me permettait, comme son indique, d'être silencieux et donc d'être plus discret. Et je voulais changer un peu, de toujours utiliser le compensateur réducteur de flash SM35. Ensuite j'ai mis la lunette Jacques Anvers puisqu'elle a zéro recul visuel, mais ça vous mettez ce que vous voulez. Et à ça j'ai rajouté du coup la Cross Ascent Lord pour toujours avoir un gain de contrôle du recul, parce que il est vrai que l'arme bouge un peu quand même, donc il faut mettre les accessoires nécessaires pour le contrôle du recul. Voilà voilà, profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Activé. Les réductions ont été appliquées dans les stations de ravitaillement.